l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Payer moins d'impôts en investissant dans un logement ou dans du matériel pour une entreprise, c'est l'objet de la défiscalisation. Les modalités de la loi actuelle qui encadre ce cadeau fiscal sont remises en cause par le gouvernement. L'heure est à la discussion car les enjeux sont importants. L'économie de la Réunion est en effet intimement liée à cette fameuse défiscalisation dans les départements d'outre-mer. Pour exemple, la loi Pons, promulguée en 1986. La loi Pons a eu un effet très très fort immédiatement sur le logement. La moyenne des logements construits à la Réunion était de l'ordre de 2000 à 3000 logements par an. Dès le moment où la loi Pons a été votée, le parc de logements et les nouveaux logements sont passés à de l'ordre de 8000, entre 8000 et 10000 logements par an. On a donc eu un effet direct, quasi immédiat. L'économie réunionnaise boostée, les investissements dans l'île à la hausse, jusqu'à la loi Paul en 2001. Le gouvernement opère un recadrage de la loi pour parer certaines dérives. Et là, l'effet est immédiat, mais en sens inverse. Les investissements sont revus sans attendre à la baisse, avec un impact direct sur l'économie réunionnaise. Il faut attendre la loi Girardin pour relancer la machine. Là, on est rentré dans une logique différente, où on n'avait plus une loi qui était purement fiscale et inscrite dans le Code général des impôts, mais une loi d'orientation, qui s'est appelée la loi Pomme ou aussi loi Girardin, qui intégrait d'autres aspects que la défiscalisation dans le financement des entreprises et le soutien à l'économie des DOM. Et voilà l'économie réunionnaise animée d'un nouveau souffle. La construction des logements reprend de plus belle grâce à la nouvelle loi. Les entreprises, elles aussi, bénéficient de ces mesures et se développent en créant de l'emploi. Au carrefour de toute cette activité se trouve le BTP. Emploi et investissement ont été au rendez-vous ces dernières années. Pour tout ce qui concerne l'activité TP Génie Civil, l'activité a généré de l'équipement et de l'emploi, bien évidemment, grâce à la défiscalisation. Dans le secteur bâtiment proprement dit, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la défiscalisation qui a permis de générer de l'activité. Et dans le seul secteur de la construction du logement, c'est environ 10 000 emplois qui sont concernés par l'activité défiscalisation, construction de logements libres. Mais cet équilibre est fragile. Aujourd'hui, la loi permet à de très riches investisseurs d'échapper à l'impôt. Le gouvernement fait la chasse aux niches fiscales et désire récupérer ses impôts. À La Réunion, on espère que la poire sera coupée en deux de façon équitable pour ne pas perdre tous les bénéfices économiques de la défiscalisation. Si cette démarche ne se fait pas dans l'ordre et correctement, on risque de casser une mécanique qui fonctionne parfaitement. Et donc aujourd'hui, l'objectif est de faire en sorte que le gouvernement et les commissions des finances de l'Assemblée nationale proposent des mesures qui, en même temps, permettent de continuer à financer les investissements dans des conditions acceptables, mais en même temps aussi donnent une visibilité aux efforts du gouvernement pour faire en sorte que tout le monde paye un impôt qui soit satisfaisant. Ici, dans cette entreprise du Sud, la défiscalisation a permis de réaliser deux types d'investissements, dans un bâtiment et dans une machine de découpe de volaille. Avec les investissements de l'année dernière, nous avons investi dans une chaîne de découpe automatique. La chaîne de découpe manuelle était à saturation en termes de quantité et une chaîne de découpe automatique, ça coûte relativement cher. Sans la défiscalisation, nous n'aurions pas pu nous la payer et nos volumes seraient restés au niveau où ils étaient l'an passé. Cet investissement va nous permettre d'accroître notre activité et donc de créer des emplois. La nouvelle machine et ce bâtiment réfrigéré ont été financés par des investisseurs extérieurs à l'entreprise dans le cadre de la loi de défiscalisation. L'entreprise est complètement maître d'œuvre de l'investissement. En fait, les investisseurs amènent les fonds, donc ça évite aussi de faire appel aux fonds propres de l'entreprise qui peut les consacrer à autre chose. Et au bout des 5 ans, l'entreprise redevient maître complètement de son matériel ou de ses bâtiments. Sans ces montages financiers, l'entreprise ne se serait pas autant développée. À La Réunion, de nombreux industriels sautent un pas technologique grâce à ce type d'investissement. C'est un plus pour rester moderne et compétitif, même sur un marché aussi petit que celui de l'île. Jusqu'ici, la loi a bien joué son rôle.
On espère qu'à l'avenir, ça continuera. Je pense que les créations d'emplois à La Réunion sont importantes, notamment dans le domaine de l'industrie. Enfin, on l'a prouvé depuis déjà au moins une ou deux décennies. Il ne faudrait pas qu'une loi plus restrictive donne un coup d'arrêt à ces créations d'emplois et au développement de l'entreprise. Développement économique et construction de logements, voilà les deux buts premiers de la défiscalisation. Mais il y a un hic. La Réunion manque cruellement de logements sociaux, on le sait. Or, sur les 14 000 logements construits par an grâce à la défiscalisation, seuls 2 000 sont destinés au social. Le recadrage du gouvernement doit encourager les investissements dans ce type de logements. Il y a aussi un besoin de créer une catégorie de logements, on va dire logements sociaux intermédiaires, permettant à des gens qui aujourd'hui sont logés à des conditions de loyer de l'ordre de 5 euros du mètre carré, de se loger autour de 7 euros, 7 euros et demi du mètre carré. Il faut qu'on participe à cette production-là avec un dispositif intelligent de défiscalisation ou un montage financier qui permette de faire simplement mais efficacement du logement social intermédiaire. Pour les bailleurs sociaux, l'enjeu des prochaines discussions sur la loi programme à Paris est de taille. Si le texte n'est pas bon, il risque de faire fuir les investisseurs. Il faut que l'investisseur privé intéressé par la défiscalisation y trouve son compte, c'est évident, sinon il ne viendra pas, il n'investira pas. On demande avec l'ensemble des partenaires du logement à La Réunion que les paramètres de défiscalisation pour produire du logement social qui sont prévus dans le projet de texte ou le texte qui a été approuvé en Conseil des ministres soient améliorés pour qu'on puisse effectivement construire plus de logements sociaux grâce à la défiscalisation. Et pour les particuliers, qu'est-ce qui risque de changer ? Pas grand-chose. Il sera toujours possible de défiscaliser une partie de son investissement pour acheter son logement principal. Le texte prévoit, cela dit, un nouveau plafonnement. Ce qui va exister, par exemple, pour le logement en accession à la propriété, c'est un plafonnement à 100 mètres carrés maximum. C'est-à-dire qu'on pourra défiscaliser les 100 premiers mètres carrés, mais si on veut faire une case de 200 mètres carrés, on ne pourra en défiscaliser que 100 mètres carrés. Le reste sera financé de façon traditionnelle avec des prêts ou des apports personnels. Le projet de la loi programme pour l'Outre-mer a été adopté par le gouvernement en juillet dernier. Le texte doit être débattu au Parlement en octobre-novembre prochain. Mobilac, SFR Entreprises. Holcim, la Chambre de commerce et d'industrie. EDF et Quartier français vous proposent les nouveaux défis.